per la dreta per Xavi, assistència de Xavi més que per la dreta per Messi, 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 immens Messi. Jugada de l'equip de Dupra, Neymar. Wayne Rooney standing there more out of hope than expectation. Messi, encara 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 Messi. Neymar, Rabiot. Or has he got enough room to get up and over? I'm he might keep it down. Messi, encara Messi, gol, 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 gol. La mano de la Fo. Here he comes. Oh my word! Can you believe the genius of this man? What a hit! David James stood like a statue and already. Salut à tous, footeuses et footeux de ma famille, c'est Thomas, bienvenue pour ce 15e, tac, avec les mains, grand décrassage de l'année, le dernier de ce magnifique année 2017. Spécial donc, équipe type, je vais vous présenter mon équipe type de cette première partie de saison de Ligue 1 et je vais recevoir trois intervenants, Baptiste, Guillaume et Benoît qui me feront part aussi de leur 11 et n'hésitez pas à débattre à droite avec moi, avec nous, pour voir si vous êtes d'accord ou pas avec notre équipe type, quoi, notre 11 titulaire, parce que mine de rien, il y a eu des bons joueurs, il y a eu des révélations, en tout cas, c'est parti pour mon équipe type à moi. Alors, tout simplement, déjà on va commencer par l'entraîneur, même si je suis rennais, faut quand même le dire que l'ami Claudio Ranieri a fait un début de saison de fou avec une équipe techniquement plus faible que certaines, hein. Je parle de plus faible que peut-être que Lille, que Toulouse, plus faible que Bordeaux, que Saint-Etienne, et bien Nice, Ranieri arrive à sortir vraiment de son équipe le meilleur tactiquement. Il arrive à faire rayonner Salah, qui est complètement monstrueux, qui marque je sais pas combien de buts, des Léo Dubois, des Diego Carlos en défense centrale, Tataru Sadou en gardien de but, qui est vraiment énorme. Et je trouve Ranieri, on le connaissait, hein, quand il a fait remonter Monaco en Ligue 1, quand il a eu le titre avec Leicester en Angleterre, bah là c'est du défense. Il a fait 7 fois 1-0 et voilà, c'est pragmatique, c'est à l'italienne. Et puis Ranieri, bah voilà, chapeau bas à toi. C'est difficile pour moi vu l'écusson de Nantais, mais en tout cas c'est comme ça. En gardien de but, et j'ai mis Lopez, l'ami Lopez qui a été énorme, notamment contre l'OM dernièrement. Il a fait des parades de fou, le gardien de l'équipe portugaise, donc champion d'Europe. Donc formé par Bats à fond, Bats qui s'est barré au Canada, entraîner une équipe du championnat canadien. Donc voilà, Lopez est vraiment un bon gardien, je trouve qu'il paye pas de mine, on en parle moins que Rulfier, que les Mandanda, que les Costil, et je trouve qu'il fait son boulot, il est assez dynamique. C'est un gardien qui va pas capter beaucoup de ballons, parce que c'est un gardien façon hand, qui va à moitié sauter partout dans tous les sens, et je trouve que c'est vraiment pour moi le meilleur gardien de cette première partie de saison. Alors, pour la défense, on va partir... avec Marçal, on va enlever Ranieri. Hein. Marçal pour latéral gauche à Lyon. Je trouve que le Guingampais, l'ex-Guingampais qui était acheté à Lyon pour cette saison, donc il est très très bon. Il est à la fois offensif et défensif. C'est ce qu'on demande souvent pour un latéral moderne. Et je trouve que Marçal le fait bien. Il progresse. Il est encore meilleur qu'un Guingamp. Je trouve que c'est un super. Latéral offensif, mais il n'est pas manchot en défense. Je mets évidemment Marquinhos en défense centrale. Voilà, il a remplacé David Luiz. Il était sur le banc quand Luiz était là. Là, il est à côté de soit Thiago Silva au Monstro, quand Monstro n'est pas en déprime, ou soit Kimpembe, la révélation française. Et je trouve Marquinhos est classe. C'est un super relanceur. À côté de lui, quand c'est Kimpembe, un mec qui met un peu des boîtes, c'est très bien. Quand c'est avec Thiago Silva, c'est bien aussi, mais ça fait quand même deux relanceurs. Voilà, il faut lui mettre un stopper à côté. Je trouve que c'est bien. En parlant de stopper, du coup, j'ai mis Marcelo, le Lyonnais, qui je trouve
et un super défenseur central à Lyon, c'est le patron. Je trouve qu'il a été acheté pour 8 millions d'euros. C'est la bonne trouvaille. Il stabilise la défense. Il est mieux que Yang Mbiwa, il est mieux que Diakabi. Et il est très très bien en défense, des fois avec Morel. Voilà, je trouve que c'est vraiment la bonne trouvaille. Et ça, c'est vraiment un stopper. Jude Baobab qui met... Rami aurait pu être dans la défense centrale, mais j'ai choisi Marcelo Marquinhos. Et puis, j'ai mis Kenny Lala. C'est la petite surprise de Strasbourg, parce que en latéral droit, je trouve qu'il est vraiment exceptionnel. Il est offensif, pareil. Il rayonne à Strasbourg. Il était à Lens, sous les ordres de Camboiré à l'époque. C'est un super joueur de football, technique. Je ne sais pas si Strasbourg va le garder longtemps, si Strasbourg se maintient. Mais en tout cas, c'est un latéral moderne, pareil, qui n'arrête pas de faire les allers-retours dans son couloir droit. Et puis, il a un pied magnifique pour les centres. C'est assez exceptionnel. Je trouve que Kenny Lala, c'est ma révélation à moi. C'est ma révélation à moi. Et ce n'est pas celle des autres. On va mettre maintenant au milieu de terrain... Adrien Rabiot qui a été énorme, enfin repositionné en numéro 6 parce que Véro sa maman gueulait, hein, il voulait pas, il voulait jouer numéro 8 pour pouvoir marquer des buts, pour pouvoir briller. Mais tu peux être un excellent numéro 6 mec, hein, comme les Pirlo et compagnie, donc t'inquiète pas, tu vas réussir, c'est là qu'il est vraiment le meilleur. On voit qu'avec Didier Deschamps, il est aussi complètement énorme. Il lui faut à côté un gratteur de ballon. Donc évidemment, le meilleur joueur de l'OM, c'est Luis Gustavo, qui est complètement incroyable, ce joueur. Acheté pas très très cher, aux alentours de 10 patates pour Marseille cette saison. C'est la bonne pioche, c'est lui qui régule le milieu de terrain. On voit que quand il n'est pas là, je parle apparemment en Coupe de la Ligue contre Rennes, quand il est rentré, c'est lui qui a illuminé, qui a fait l'ouverture pour Amavi, qui donne pour Germain par exemple. Mais je trouve qu'il a une bonne frappe. C'est à la fois un gratteur de ballon, il a la grinta, il arrive bien à se retourner dans son rôle de double pivot. Il est élégant et il arrive à percer des lignes. Donc je pense que Rabiot et Gustavo, je pense que ça fait une bonne entente pour sécuriser le mec qui est devant lui dans un losange pointe haute. Donc c'est forcément un 4-3-3 mon équipe. Et ben j'ai mis l'ami Nabil Fekir qui est complètement énorme. Il revient, il est affûté. L'ami, j'ai mis le maillot contre Saint-Etienne. Il a marqué le cinquième but, la manita qu'ils avaient mis à Geoffroy Guichard. Bah, vous voyez, il était vraiment énorme. Après, il a été gravement blessé, il a mis un an à revenir. Et là, les 6 mois qu'il est revenu à Lyon, c'est lui qui fait le jeu lyonnais. On voit que quand il n'est pas là, c'est différent. Il alimente le trio avec Mariano, Cornet, vu que Traoré est blessé. J'espère qu'il va revenir vite. Et même fils de paille, Fekir, il rayonne. Il est... très très bon dans le petit espace, il a un petit gabarit, il a un centre de gravité assez bas, il arrive bien à retourner, c'est un formidable tireur de coup franc, il en a marqué 3 directement, même si Mandanda a fait une boulette, mais c'est vraiment un joueur qui m'épate, pour moi un futur grand joueur, et j'espère que Didier Deschamps le prendra, parce qu'il est vraiment fort. Et l'attaque de devant, alors, je pense qu'il n'y aura pas trop de surprises malheureusement, à gauche, le Brésilien Neymar, qui est complètement énorme, qui n'a même pas eu besoin d'adaptation, hein, globalement. Il n'a pas fait quelques matchs, parce qu'il avait peut-être autre chose à faire à Saint-Tropez ou au Brésil. Non, mais je plaisante, évidemment, même si ce n'est pas faux. Il passe beaucoup de temps à sortir à Neymar. Mais il est énorme. Il rayonne sur le PSG. Le Paris Saint-Germain arrive à jouer sans lui, mais quand il est là, il redescend, prend les ballons au milieu de terrain. Il perce les lignes, il dribble. Enfin, on le connaît quand il joue à Barcelone, hein, ou à Santos. Il marque des buts de fou. Il régale. Il est peut-être un petit péché d'individualisme des fois de gris-gris, mais c'est son jeu sûrement qu'il est venu à Paris pour avoir le ballon d'or. Donc évidemment c'est génial quoi, recruter 222 patates par Paname pour au Barça, c'est vraiment le joueur plus qui leur permettrait de gagner cette Champions League cette année, pourquoi pas. Déjà il faudra qu'il passe l'huitième de finale contre Madrid le 14 février, la Saint-Valentin. Donc Neymar évidemment à gauche, à droite Kylian Mbappé, donc c'est très parisien tout ça, mais normalement c'est un joueur d'axe à Monaco. Il a mis un tout petit peu de temps à s'adapter, vraiment un tout petit peu de temps, et là il a 32 buts sur la année civile. Vous vous rendez compte, pour un gamin de 18 ans il marque en Champions League, c'est un des plus jeunes joueurs à avoir marqué autant de buts en Champions League. Il est monstrueux, il joue pas sur son poste parce que c'est vraiment un attaquant d'axe. Il a trouvé la vitesse qu'il voulait sur la droite, il fait des passes de ouf, il déborde, il est technique. Il fait peut-être un peu trop de Neymar des fois, c'est clair. Il est des fois un peu trop
donner. Il donne un, pas assez vite le ballon, c'est-à-dire qu'il veut faire le gris-gris avec Neymar en fait. Et je trouve qu'il devrait peut-être alimenter plus sur les derniers matchs. D'ailleurs, il a alimenté plus le numéro 9 que je vais vous dire tout de suite. Et voilà, Mbappé, il a 18 ans, c'est énorme. Il marque des buts. Ça devient le joueur le plus important de Paris, en tout cas à droite. C'est même pas son poste. À Monaco, il avait la vitesse. À Paris, il en a moins parce que c'est vraiment du tiki-taka, jeu de possession. Mais il arrive quand même à trouver des espaces. Il les crée tout seul, ces espaces. Il a une pointe de vitesse, comme on a vu contre Lille, à 35 km/h. Enfin bref, c'est un grand, grand joueur. Et je pense que, à mon avis, lui aussi, il peut prétendre au Ballon d'Or. Et bien sûr, j'hésitais avec Falcao, El Tigre, qui est de retour, qui est l'homme providentiel, le facteur X de Monaco. Mais j'ai mis évidemment Edinson Cavani, qui est proche du record, 155 buts, 156 Zlatan, donc plus qu'un but pour égaler et plus que deux buts donc pour battre le record, pour être le meilleur buteur de tous les temps parisien. Voilà, Ibra était un très bon joueur, Cavani était à droite. Du coup, il marquait quand même ses 25 buts. Et là, voilà, il est dans l'axe, il régale. Il lui faut plusieurs occasions pour la mettre au fond. Mais bon, c'est comme ça. L'Uruguayen, c'est un buteur né. C'est un buteur qui sent le but. C'est un buteur de classe. Donc, je trouve que... Voilà, je trouve que c'est pour moi le meilleur joueur. J'adore. Voilà, il est critiqué, mais il ne dit jamais rien. Il défend. Il a la hargne. En plus, il a un super broching. Donc, voilà. Donc la MCN devant, Fekir derrière, Gustavo Rabiot, voilà, et derrière donc Lala, Marcelo, Marquinhos, Marsal, voilà, et Lopez dans les buts, voilà, moi je trouve ça pas mal. Voilà pour mon 11 les amis, on va maintenant passer à... l'ami Baptiste, mais oui, l'ami Baptiste, on va l'appeler tout de suite, l'ami Baptiste, tout de suite, comme ça, tac, on va voir le 11 de Baptiste, ça sonne, Baptiste, go, Gunners, j'ai mis, parce que lui, il est vraiment fan d'Arsenal, ça sonne, c'est génial. On va vraiment voir son équipe à lui. Ils m'ont tous fait leur petit tableau des 11, en tout cas. Il n'est pas là, Baptiste ? Bon, Baptiste, il répond pas. Je vais prendre Guillaume. Baptiste ne répond pas. Ce n'est pas grave. On va prendre Guillaume Hollendil. C'est parti. Tac. Et on va mettre le synthé de Guillaume. Oh mon dieu! Bah oui, Baptiste, Baptiste je suis parti... le premier! Bah oui, t'es le premier, Baptiste est parti faire un hip visiblement. Ah là. C'est complètement honteux de voir ça. Non, je évidemment, je plaisante. Et ça va être compliqué pour Benoît. Hein. Ouais. Il était arrivé à 40%, son PC s'est éteint, il est revenu à zéro, là il doit être à 15%, un truc comme ça. Mais pourquoi qu'est-ce qu'il a fait en fait ? Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que juste après donc votre test, apparemment, il s'est rendu compte qu'il y avait éventuellement un petit problème avec sa caméra. Et donc, ouais. Il m'a appelé, on a fait un test, il avait plus de caméra. Donc, je lui ai proposé de faire une mise à jour Windows parce que c'est ce qui avait réglé le problème la première fois. Et voilà. D'accord. Ce qui devait arriver, arriva. Les aléas, c'est pas grave. T'inquiète pas, on fera quand même son 11 type, même s'il est pas là, tant pis. Bien sûr. C'est comme ça. Alors donc, je vais mettre tout là-haut, là, vu que tu m'as fait bien. Donc, t'as été le seul à faire une équipe de remplaçants. Donc, je te laisse exposer. Hein, j'ai mis pour les viewers, pour ceux qui nous regardent sur la chaîne YouTube et sur Twitch. Vas-y, mon ami. Alors, moi, au niveau du gardien de but, donc toi, tu as mis Anthony Lopez. Je suis assez d'accord aussi. Moi, personnellement, je le mets en troisième. Anthony Lopez, moi j'ai mis donc Benjamin Lecomte, le gardien de but donc de Montpellier. D'accord. Parce que tout simplement parce que c'est le gardien qui fait partie de la meilleure défense de Ligue 1, enfin deuxième meilleure défense de Ligue 1 avec Paris. Et donc c'est un gardien qui encaisse très peu de buts, qui quand il a des arrêts à faire est décisif. Il est très bon, très bon dans les sorties aériennes comme dans les sorties dans les pieds. Donc c'est un gardien très complet, il a une très bonne relance.
fameuse relance. Ouais. Donc il a une très bonne relance, ce qui permet à ses équipiers de se projeter assez vite vers l'avant. Donc, moi j'ai mis Benjamin Lecomte, j'ai mis Baptiste René en deuxième parce que c'est un peu, on va dire, une révélation, même si ça ne l'est pas vraiment, on le connaissait déjà, mais c'est vrai que là avec Dijon, il sort un peu du lot. Donc, voilà les deux gardiens que j'ai mis en tout cas pour cette équipe type de la mi-saison. On va faire ton 11, après on verra le remplaçant. Enfin, tu vois, tu fais ton 11 et après on verra sur le banc. Quoi. D'accord. Alors, sinon, du côté gauche, j'ai mis Roussillon. Encore un Montpellier. Hein. Ouais, évidemment. Oui, Roussillon, parce que, bah, pareil, hein, il fait partie de l'une des meilleures défenses de Ligue 1. Et puis, offensivement, il est très intéressant. Il apporte beaucoup. Actuellement, ses statistiques, si je te dis pas de bêtises, il doit être à 2 buts et 3 passes décisives. Donc, c'est plutôt pas mal pour une équipe qui attaque très peu, hein, faut le dire aussi. Donc, il a de très très bonnes stats. Il est rapide, il est physique, il est technique. Donc, pour l'instant, au niveau latéral gauche, il fait partie pour moi de cette équipe type. D'accord. Ensuite, en défense centrale, on est sur du Camille Glick, parce que Camille Glick, hein, meilleur défenseur de Ligue 1, clairement, il est au-dessus du lot, quoi. Je veux dire, il lit parfaitement le jeu des attaques adverses. Physiquement, c'est un monstre. Il n'y a pas grand-chose à dire sur Camille Glick. On le connaît par cœur, hein, maintenant. Tu le mets à côté de... Et donc, à côté de Marcelo, le défenseur lyonnais qui... On l'attendait pas vraiment à ce niveau-là. Il s'est imposé dans cette défense lyonnaise. Maintenant, je pense que c'est le choix numéro 1 de Genesio en défense centrale parce que il est un peu comme Camille Glick, hein. C'est-à-dire que physiquement c'est un monstre, il est inarrêtable. Ouais. Voilà, et face aux attaquants adverses, c'est vrai qu'il peut leur faire peur. Et puis, pareil, très très bonne relance, donc, voilà la défense centrale. Et puis sur le côté droit, Dani Alves. Évidemment, Dani Alves. Ouais, évidemment. Il était venu en retraite, mais pas du tout. Pas du tout, déjà, parce que voilà, c'est un combattant. Il est là pour gagner des titres, il est là pour gagner, tout court. Et puis, voilà, on connaît Dani Alves, on connaît son passif. Donc, oui, une excellente recrue pour le Paris Saint-Germain. Et voilà. Ton milieu de terrain. Le milieu de terrain. C'est un 4-3-3 avec un losange pointe haute, alors comme moi. C'est ça, c'est un 4-2-3, hein, on va dire. Ah, de 4-2-3. Hein. Donc, milieu récupérateur, milieu défensif, Gustavo et Aouar. Gustavo, parce que c'est clairement pour moi le meilleur milieu de terrain. De ce championnat actuellement, c'est un monstre, encore une fois. Il apporte énormément dans le jeu. J'ai même pas regardé ses statistiques exactement. Je sais plus ce qu'il a fait exactement, mais enfin voilà, dans le jeu, c'est une vision de jeu incroyable, clairement. Il fait des passes au millimètre. Il apporte énormément offensivement. Il a marqué il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Donc, Gustavo est vraiment au-dessus du lot. Aouar, tout simplement parce que c'est une des révélations de cette saison du côté de Lyon. J'ai hésité longuement avec Ndombele, donc que j'ai mis dans les remplaçants. Parce que c'est ces deux joueurs dont on n'attendait rien de particulier. Et puis, ils se sont imposés dans ce championnat. Aouar, actuellement, c'est quand même 3 buts et 2 passes décisives. Donc, c'est plutôt de bonnes stats pour un jeune comme celui-là. Alors après, c'est vrai qu'il joue à Lyon, une équipe très offensive, tout ça. Mais pareil, il est... Dans l'entrejeu, il est très important dans le schéma lyonnais. Donc, moi, je le mets dans le 11 type. Juste devant, Nabil Fekir. Hein. Évidemment. Ouais. Ouais, je pense que tu en as suffisamment parlé tout à l'heure. Et puis l'attaque parisienne, parce que c'est la,
C'est l'une des meilleures attaques d'Europe, si ce n'est la meilleure, je sais c'est plus. C'est ça, je crois, ouais. Donc, Cavani, Neymar et Mbappé sont absolument inarrêtables. Neymar, donc, comme tu l'as dit, c'est très très bien acclimaté au championnat de Ligue 1. 11 buts, 9 passes décisives, rien à dire. Mbappé, de son côté, c'est 8 buts et 7 passes décisives. Et puis, bon, bah, Cavani est parti loin devant. Cavani, c'est 19 buts. Donc, bah, de toute façon, Cavani, depuis que Zlatan est parti, voilà, Cavani a pris une autre dimension au PSG. Et donc, oui, il est clairement le meilleur attaquant de cette Ligue 1. Et donc, tu as mis aux manettes Claudio Ranieri. J'ai mis Claudio Ranieri parce que, bah, comme toi, hein, je pense que, voilà, déjà parce qu'on n'était pas sûr de le revoir dans le championnat de France, encore moins avec Nantes. Et donc, c'est vrai que ce qu'il fait actuellement avec l'équipe de Nantes, c'est assez impressionnant. Même si dans le jeu, c'est pas folichon, même si voilà, c'est extrêmement défensif et tout, mais ça fonctionne. Nantes est cinquième, c'est un bon et un beau cinquième quand même. Ouais. Donc, Ranieri à 100%. Ouais. On fait vite fait, bien fait, tes remplaçants ? Alors, les remplaçants, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, donc, Baptiste René, j'ai vraiment hésité entre Lecomte et René, mais bon, je vais tabler sur Lecomte quand même en tant que titulaire. Donc, Baptiste René, très très bon gardien. Je pense que voilà, il ira quand même assez loin dans sa carrière, donc très très bon gardien. Ensuite, j'ai mis Adama Mbeng, un Canet. Hein. Évidemment. Canet parce que c'est un homme qu'on n'attendait absolument pas. Il vient des États-Unis. On en attendait absolument rien, presque rien. On a été très surpris de le voir arriver. Et dès son premier match, il a été fantastique, quoi. Il peut jouer autant latéral gauche que ailier gauche. Il est très rapide, il est très offensif. C'est un très bon centreur, c'est un très bon technicien. Il a une très 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 bonne frappe de balle. Très très bon joueur et qui ira certainement très loin aussi. Donc on en profite avec Malherbe pendant qu'on l'a encore. Si je te fais accélérer, c'est pas trop grave. Non, bien sûr. Ensuite, j'ai mis Diego Carlos, donc pareil, défense centrale nantaise, très défenseur très costaud, très physique. Voilà, il fait partie donc à 100% du schéma de Ranieri, donc très très bon défenseur. Après, on a Ndombele, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ouais. C'est un milieu de terrain, voilà, dont on n'attendait rien et qui finalement s'impose dans ce championnat de France et dans cette équipe lyonnaise. Ensuite, on a Rabiot, donc Rabiot, on en a parlé tout à l'heure. Hein, Rabiot, c'est maintenant une valeur sûre. Ensuite, on a Florian Thauvin, que j'ai hésité à mettre entre Mbappé et Thauvin, parce que Thauvin, ça fait partie des joueurs, ça fait partie du renouveau marseillais. Il est indispensable à l'effectif marseillais, il est très très bon, très très vivace, très rapide, très très bon techniquement, très très bon devant le but. Et on finit donc par Falcao, qui est le deuxième meilleur attaquant du championnat de France. Voilà. Voilà. Et puis dédicace à petit Julien Ferret. Et donc, évidemment, nous avons Julien Ferret, le meilleur joueur du championnat. C'est ça. Merci Guillaume. Baptiste, il en est où, tu sais pas. Tu me diras sur le chat. J'envoie un message à Benoît et je te redis ça dans le chat. Ça marche. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Salut, t'as été parfait. Nickel. Merci, merci. Hop, on va directement enchaîner donc par Baptiste, dont je vais effacer l'équipe de Guillaume, qui était une très belle équipe, je trouve. Et on va... C'est parti pour Baptiste. On va voir son équipe, à lui, son 11, l'équipe type de Ligue 1. Allô, allô. Ouais, je t'entends, il n'y a plus que ta caméra et c'est bon. C'est parfait, hop. Est-ce que là, c'est bon? Normalement, ça devrait l'être. Est-ce que c'est bon pour toi? Ouais, nickel, nickel, nickel. Bon, bah, vais mettre au-dessus de moi le 11 que tu m'as communiqué. Tac. Yes. Donc, je t'écoute. Tu veux que je commence par qui? Par le gardien, par l'entraîneur? Par l'entraîneur, parce qu'on a tous le même globalement. Mais... Par l'entraîneur, bah ouais, Claudio Ranieri, même si quand on regarde nos amis canaris, on s'ennuie un petit peu quand même. Ranieri, je pense qu'on pourrait lui mettre une équipe de DH, il arriverait à faire des trucs fabuleux avec. Il est vraiment trop fort, j'ai l'impression qu'il est au-dessus de tout le monde en fait. Il s'adapte chaque année avec l'équipe qu'il a. Il a fait ça à Leicester alors qu'il avait une équipe complètement différente sur le plan de jeu qu'à Monaco avant. Enfin, il peut tout faire avec n'importe quelle équipe.
Je pense que c'est ouais, ça peut se résumer à ça en tout cas. C'est vraiment énorme. Donc dans les buts, vas-y. Dans les buts, j'ai mis Baptiste Trainé, moi, parce que c'est un joueur. C'est ça aussi. Non, parce que c'est un joueur que j'aime, c'est un joueur que j'aime beaucoup et qui pour moi mérite un top club, enfin au moins un top 6 en France. En préparant cette petite équipe, j'ai regardé les stats. Il a quand même 81 arrêts et 50 frappes détournées depuis le début de la saison. Ah ouais, d'accord. Ce qui est quand même énorme, même si devant, c'est sûr, on brille mieux avec une défense qui est pas terrible. Mais c'est quand même assez fort. Titulaire. Je t'avais perdu, c'est monté là. Il est titulaire depuis son arrivée à Dijon. Enfin, c'est l'homme fort de Dijon pour moi. Avec un autre gardien, ce serait complètement différent. Je le trouve super fort sur sa ligne. Enfin, pour moi, c'est un des meilleurs gardiens français. Quand on voit des Costil, par exemple, même s'il traverse une passe un peu difficile, je pense qu'il est au-dessus, il est dans les 4 premiers, si ce n'est 3 premiers gardiens français, quand même, pour moi, en tout cas. Donc, ta paire défensive devant Rennes. J'ai mis Marquinhos. Marquinhos, parce que pour moi, c'est la classe. Je sais qu'il a failli partir. Enfin, à une époque, c'était question qu'il part du PSG il y a quelques saisons. Heureusement qu'il est toujours là. Il a 14 matchs joués, seulement 7 fautes commises pour un défenseur. Je trouve ça assez impressionnant. Il joue juste, il a la classe, il est technique. Pour moi, c'est le défenseur du PSG. Il a réussi à faire oublier Thiago Silva. Je trouve que l'association avec Kimpembe est intéressante. En termes de conservation de ballon, il m'impressionne à chaque fois. Et c'est plus de 90% de passes réussies depuis le début de la saison. Pour un défenseur comme ça, c'est hallucinant. À côté, j'ai choisi moins la finesse hein, quand même avec Glick. C'est ça. Moi, ce que j'aime, c'est sa façon d'être. C'est un guerrier quoi. J'ai l'impression qu'on peut partir à la guerre avec lui et il ira. Il a un peu de vis comme les défenseurs à l'ancienne. Il est rugueux. Pour moi, c'est un des meilleurs défenseurs, même si c'est pas du tout le même registre que Marquinhos. Hein, très clairement. Lui, par exemple, il a 22 fautes commises quand même depuis le début de la saison. Sauf qu'il faut mettre un bon bourrin à côté d'un bon lanceur. Enfin, c'est ça. Et puis quand même, il sait soulager sa défense, il ne se pose pas de questions. Quoi. Il ne va pas chercher à faire des choses qu'il ne sait pas faire. Il va balancer des grands ballons devant pour soulager la défense. Et moi, c'est quelque chose quand même que j'apprécie. À gauche, ouais, les latéraux, ben, j'ai choisi Alves. Qui a 34 ans, moi, quand même m'impressionne par son volume de jeu, son activité. Il a une concurrence avec Meunier qui le pousse, j'ai l'impression, vers l'avant, mais qui reste saine quand même parce que Meunier est encore quelqu'un d'intelligent et voilà. Mais j'aimerais voir plus Meunier, mais quand on voit Alves, c'est quand même. Tu m'étonnes. Quand il rentre du Brésil, il va jouer un match de Coupe de Ligue alors qu'on n'a pas spécialement besoin de lui et qu'en plus il va devoir jouer à gauche. Enfin, pour moi, c'est un bosseur incroyable. Il a ce grain de folie que peu de latéraux ont et il a un côté offensif qui est indéniable en tout cas. Quoi. Ah oui, c'est clair. Et donc Roussillon, l'autre côté quoi. Ouais, Roussillon, un peu ma surprise quand même en préparant ça. Je me suis dit qui est-ce que je vais mettre de ce côté-là. J'ai hésité un petit peu avec Marçal ou voilà. Je trouve que la défense à 5 de Der Zakarian lui permet de jouer, de bien se projeter vers l'avant, de mettre un peu de vitesse, un peu d'impact. Il est en progression constante, je trouve, depuis qu'il est là. En plus, il est titulaire indéboulonnable depuis son arrivée. C'était déjà le cas à Sochaux avant. Enfin, voilà. C'est deux passes, deux buts et trois passes, je crois, depuis le début de la saison, ce qui est quand même pas rien quand on a une équipe qui est pas très offensive. C'est ça. Mais bon, après là, il a envie de partir, donc je sais pas ce que ça va donner la deuxième partie de saison, si ça va partir au clash ou pas. Donc à voir en tout cas. Milieu de terrain, donc losange pointe haute ou alors 4-2-3-1. Ouais, j'ai plutôt voulu mettre deux profils défensifs pour avoir un Fekir en 10 en tout cas, ouais. Donc ouais, on va dire losange pointe haute quand même. Okay. Donc Gustavo, qui pour moi est la réussite du recrutement de Marseille. Je l'adorais déjà au Bayern, après à Wolfsburg. Enfin, pour moi, c'est un super joueur qui n'a pas forcément une image
qui pourrait en tout cas jouer dans une grosse équipe, pour moi en tout cas. Il rayonne au milieu de terrain à l'OM, il gratte des ballons, il s'est vite projeté vers l'avant, il s'est relancé. Pareil, c'est 90% de passes réussies depuis le début de la saison, 5 buts. Il est impressionnant, il peut jouer en 8, il peut jouer en 6. C'est vraiment un super joueur. Rabiot à côté, quoi, comme pour percer les lignes. Ouais, c'est ça, Rabiot, on pouvait pas. Je pense que là, on pouvait pas passer à côté. Il est en pleine éclosion. J'aimais pas trop ce qui se passait avant avec sa mère qui s'occupait un peu de tout, mais là, il faut lui reconnaître ça. Il est présent dans les duels aériens. Il a une qualité de passe qui est impressionnante. Enfin, il a réussi à faire oublier les Verratti qui sont un petit peu en dessous en ce moment, je trouve, à Paris. Il a sa place et je vois pas quelle paire de milieux récupérateurs on peut mettre d'autres, en tout cas là. Peut-être Sanson qui est peut-être un peu plus offensif, mais voilà quoi. Donc Fekir devant, évidemment, au numéro 10 quoi. Fekir en 10, hein, c'est le monsieur plus de l'OL en tout cas. On sent quand il est là, on sent quand il est pas là. Il libère de la place à Mariano devant, parce qu'il aspire forcément des défenseurs sur lui. Puis là, il a 13 buts, 4 passes décisives. Il est dangereux, que ce soit sur coup franc, dans le jeu. Il a des crochets qui sont hallucinants. Enfin, là, il est vraiment en pleine forme. Depuis qu'il est en 10, en tout cas, c'est autre chose. L'année dernière, il avait un peu de mal sur son côté, mais là, depuis qu'il est en 10, c'est une vraie révélation, en tout cas pour moi. Et devant, la MCN quoi, classique, on va dire, quoi. Ouais, c'est ça, on pouvait pas. Je crois que là, c'est impossible de faire autrement. Moi, j'ai hésité. J'ai mis Mbappé sur le côté droit. J'ai hésité avec Thauvin quand même. Mais en étudiant un petit peu les stats, j'ai vu que Mbappé avait plus marqué en moins de matchs. Là, il a 8 buts, 8 passes décisives sur 13 matchs. Je le préfère quand même un peu à gauche, hein, ou dans l'axe. Mais là, il est tellement fort partout, il sait s'adapter. Ses dribbles, sa finition, il y a tout qui. Ils sont tellement complémentaires en plus avec. Il est tellement complémentaire avec Cavani et Neymar que. Je vois pas qui on peut mettre d'autres, si ce n'est Thauvin. Neymar, c'est pareil. Hein. Ouais, Neymar, voilà, 11 buts, 9 passes. Je le trouve parfois un peu nonchalant, mais oui, il est pareil, tellement. Ça, on le connaît un petit peu, quoi. C'est comme ça, quoi. Mais... Ouais, mais il est tellement au-dessus, en fait. C'est ça qu'il sait, et ça se sent. Et en une passe, en une touche de balle, il peut faire la différence. Il peut mettre un crochet, enchaîner sur une frappe hallucinante. Enfin, c'est impossible de pas le mettre, c'est sûr. Voilà. Et puis Cavani, bah moi Cavani, j'aimais déjà beaucoup quand il était à droite et que tout le monde disait que c'était une chèvre. Ouais. Mais c'est un besogneux et là je le trouve un peu plus libre depuis qu'il est dans l'axe et puis surtout libéré de la présence un peu importante d'Ibrahimovic. Là il a deux mecs super sur les côtés. Enfin c'est impossible. Ouais, il est tellement. Pour moi, c'est peut-être un des meilleurs neufs d'Europe là actuellement. Enfin, il a 19 buts là, c'est en 18 matchs. C'est hallucinant. Il a mis 6 buts en Ligue des Champions. Enfin, il rate beaucoup encore de parfois devant le but, mais en même temps, il faut voir ce qu'il plante derrière. Et, non, c'est vraiment un top player pour moi en tout cas. Merci Baptiste pour ta jolie équipe. Jouer une année encore et puis une bonne fin d'année. À toi aussi. À bientôt. Ciao. Salut. La belle équipe de Baptiste, hein, quand même, faut dire ce qui est. Belle équipe de Baptiste. Donc on va tout de suite appeler l'ami... On va effacer l'ami Benoît qui a fait sa mise à jour. Il fallait pas faire sa mise à jour. Benoît. Oui, Benoît. Ouais. Alors, est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends. T'es avec ton téléphone, j'imagine? Ouais, je suis au téléphone. Ça marche. Les joies de la mise à jour. Alors donc je mets ton équipe, tac, équipe de Benoît. Elle est là au-dessus de moi, donc vas-y, commence par ton entraîneur. Alors entraîneur, j'ai pris Olivier Dalloglio. Ouais. Alors bon, ça paye pas de mine comme ça, mais il représente les entraîneurs de Ligue 1 qui n'ont pas peur de jouer. Je pense à Strasbourg, à Dijon, à Amiens. C'est des petites équipes, ça joue avec les moyens du bord et ça marche pas mal. Oui. Et ça, à l'inverse de quelques pros qui des fois jouent un peu avec la peur au ventre, eux, ils ont rien à perdre, ils y vont et c'est ce qui fait que la Ligue 1 est parfois agréable à regarder.
Oui, c'est clair, carrément. On le dit souvent, Dijon joue au ballon, essaye de montrer aux grosses équipes qui dites européennes de montrer la voie, quoi, mais c'est franchement fort. Et donc, tu as mis du coup un gardien dijonnais, du coup, forcément. Voilà, bah oui, bah de toute façon, le gardien René, pour moi, peut-être avec Lecomte, c'est sûrement les meilleurs gardiens actuellement du championnat. Et encore une fois, c'est pas dans les grosses équipes, quoi, parce que les grosses équipes, une équipe comme Paris, je vais pas dire qu'elle s'en fout de prendre 3 buts, mais si elle en met 6 derrière, c'est pas grave. Alors que Dijon, bah, ils ont pas trop le choix, ils ont intérêt d'être une très bonne défense, et du coup, bah, ils ont un excellent gardien. Tu m'étonnes. Ta défense, donc dans ton 4-3-3, ta défense, c'est commence par les latéraux, c'est qui? Alors, bah, Roussillon. Alors, j'ai pas entendu ce qu'ont dit les autres, mais je pense que je dois pas être tout seul. Roussillon, bah, il est juste énorme. Hein. Ça, actuellement, à son poste, c'est le meilleur du championnat sans disputer. De l'autre côté, j'ai mis Dani Alves. Ouais. Dani Alves, qu'on imaginait venir un peu à Paris. Pas en pré-retraite, mais un peu tranquille, venir faire la fête avec son pote Neymar. Et en fait, on se rend compte qu'il est énorme, quoi. Ça, c'est clair. Il a toujours la même efficacité. Dans l'axe, donc Marcelo Glick, comme tout le monde, en gros, quoi, presque. Ouais, voilà, ouais. Glick, parce que c'est le meilleur défenseur du championnat. Et Marcelo, parce que c'est un Brésilien. D'habitude, les Brésiliens, ils ont besoin d'un temps d'adaptation à la Ligue 1. Et Marcelo, bah, il n'en a pas eu besoin. Lui, il est arrivé. Et puis, bah, voilà, il est juste très bon dès le début, très costaud. Je pense que la défense lyonnaise avait besoin d'un mec costaud, capable de, bah, d'être le leader derrière. Et puis, bah, Marcelo, bah, j'ai l'impression qu'ils ont fait la bonne pioche, quoi. Tu m'étonnes. Ton milieu de terrain, donc? Alors, mon milieu, bah, Fekir. Ça, de toute façon, je pense que Fekir... Je ne l'ai pas mis dans l'axe parce que Fekir, pour l'avoir vu pas mal de fois jouer sur le... Enfin, il est censé être derrière l'attaque, ouais. Mais il est très très libre dans son placement. Il redescend quand il y a besoin, il doit aller sur les côtés, il y va. Il est mieux qu'avant sa blessure dans le sens où il travaille plus pour le collectif et du coup, bah, il aide les copains dans les couloirs et plus que dans l'axe. D'ailleurs, je trouve qu'il est souvent excentré. Donc, tu as mis Gustavo en sentinelle? Ouais, bah, Gustavo, de toute façon, c'est le maître à jouer de l'OM. Voilà, c'est lui qui règle les problèmes au milieu de terrain et puis qui met des très beaux buts. Et à droite, t'as choisi qui, du coup, une petite surprise? Ouais, Ronny Lopez. D'accord. Ronny Lopez, je pense que c'est... Pour me rappeler de la première année de Moutinho à Monaco, et ben, c'est à peu près le même style, quoi. Quand Ronny Lopez est dans un bon soir, Monaco est dans un très bon soir. Ouais, je pense que c'est lui qui fait que le milieu de Monaco tourne bien. Bah, comme Moutinho faisait il y a quelques saisons de ça. C'est ça. Et donc devant, pas la MCN, juste la NC, t'as mis Thauvin donc à droite. Ouais, j'ai mis Thauvin. Ça aurait été l'équipe type des trois derniers mois, ça aurait été Mbappé sans discussion. Mais Mbappé a eu besoin, lui, de quelques matchs d'adaptation à Paris. Je pense qu'il était... Après, c'est sûrement dû à son âge, mais il était un peu impressionné par ce qu'il avait autour de lui, par Neymar, hein, de toute façon. Et alors que Thauvin, lui, depuis le début de saison, si l'OM en est où elle est aujourd'hui, c'est en grosse partie grâce à Thauvin, qui est très en forme, qui marque, qui fait jouer les autres, qui fait marquer les autres. Donc, pour moi, ouais, il y a... Je pense que Thauvin est en train de faire probablement sa plus belle saison depuis le début de sa carrière. C'est clair. Et donc, bah, bon, bah, Cavani, Neymar, quoi. Bon, pas besoin de. Et Cavani, revenir, Neymar, bah voilà. On sait qui c'est. Le meilleur club d'Europe. Il n'y a pas. On n'hésite pas sur des joueurs comme ça. Exactement. Bah, merci, Benoît, pour ton joli 11.
Bah, je t'en prie. Bah, écoute, désolé des problèmes techniques, on a fait au mieux. Non, t'inquiète, les problèmes techniques. T'as un bonjour de Franck aussi, il est juste derrière. Et les problèmes techniques, t'inquiète pas, Ah, on est salut habitué. Franck. Et dès que c'est réglé, je reviens sur le chat. Je me permets de venir te dire bonjour, je t'avais pas vu encore. Salut à toi et merci beaucoup. Ton analyse est très pointue, ça fait plaisir, même pour moi qui n'y connais rien. Allez, je vous laisse tranquille. Eh bah, je t'en prie. Bon, merci Benoît, bon Noël et puis bonne fête, même si tu vas rester, je pense, traîner par-ci, par-là. Oui, je vais rester par là. Allez, ciao, salut, salut. Allez, salut. Et bien, donc, on a fait des jolis 11, même si on était globalement tous d'accord. Donc, sur ce 11, on verra si ce sera le cas encore à la fin de la saison en juin, hein, avec cette Coupe du Monde 2018. Peut-être qu'il y a des joueurs qui vont se révéler pour pouvoir être en bleu. On pense à des Thauvin, des Fekir qui ne sont pas sûrs de jouer. Donc on verra bien, on en fera une autre, hein. On est loin encore. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain grand décrassage ou une nouvelle vidéo ou je ne sais quoi. Allez les amis, ciao. Et n'oublie pas, le foot ce n'est pas que du business, hein. C'est aussi un sport populaire. Et ouais, carrément. Allez, ciao les amis, salut, salut, salut.